Repas sardines, betteraves, mayo, sandwich sur le un parking, petite quête sur la route du coup. Finalement, direction Vérone. On a décidé de remonter parce qu'on n'avait pas forcément envie d'attendre que la météo s'arrange dans le sud pour redescendre ensuite vers les Cinq-Terres. Donc du coup, on a décidé ensemble de remonter vers Vérone et ensuite de continuer vers le lac de Garde, sachant que là, on est vendredi et mardi, on a pris l'hôtel. Mais du coup, comme ça, on peut être avant le lac de Garde pour profiter un max du lac de Garde puisqu'il y a énormément de rando apparemment. Ah ! Lac de Com, pardon. Lac de Com. On fait la même chose, mais avec Lac de Com. Du coup, Vérone, ça a l'air vraiment trop bien en plus. Avec l'histoire un petit peu Roméo et Juliette, nanani, nanana, qui contribue au romantisme de la ville. Donc, je pense que ça va être sympa. T'as la maison de Juliette et autres conneries comme ça. Un peu touristique, mais je pense que ça peut être vachement, vachement cool et vachement bien. Et on termine de manger là-bas. Vous êtes à Vérone. Il fallait pas les musiques, de toute façon, je pourrais pas t'aider là. La belle Vérone. C'est actuellement vraiment trop cool. C'est trop bien. Non, ça, Vérone, c'est vraiment beau. Merci. À chaque coin de rue, je tombe sur des trucs improbables comme ça, genre magnifique. C'est là qu'il y a le truc « Oh, Roméo ». Pourquoi es-tu mon Roméo ? Ouais. Spot de cette nuit. On va trouver ça sur Parfumnight et on va se foutre là. On a passé une trop bonne nuit. Maintenant, direction Com. C'était très cool, en vrai on s'attendait pas à ce que ce soit une vraie grosse ville en fait. On sait plus que c'était un petit village ou quoi, enfin. Donc en vrai c'était assez sympa, par contre c'est très touristique. Et je trouve que, enfin on a trouvé que c'était un petit peu surcoté. Enfin il y avait énormément de monde et vraiment à l'international d'un point de vue touriste. C'est très très beau, c'est très sympa, mais je trouve que c'était vachement surcoté comparé notamment au lac de Garde. Lac de Garde je trouve que c'est vachement plus typique et les montagnes sont un peu plus impressionnantes. Là on va faire une rando dans les hauteurs de Côme. Spoiler alert, c'est aussi très très touristique. Les parkings en haut sont payants et il y a beaucoup beaucoup de monde. Donc voilà, faut le savoir. Que les parkings soient payants pour les randos, c'est quand même assez fou, je trouve. Bon, ils en profitent quoi. Aussi, hier, du coup, on allait au resto. C'est un peu aussi des attrapes touristes. Et franchement, à partir du moment où ils savent que c'est des Français ou des touristes, ils sont pas hyper accueillants, en tout cas au resto. On avait eu la même expérience à Venise quand on était allé il y a un an et quelques. Ils te font attendre à mort les plats, alors que t'as les Italiens à côté qui sont servis tout de suite. Vraiment, enfin. On a vraiment eu ce cas. Toutes les tables italiennes autour de nous étaient servies et nous on a entendu une demi-heure que le plat arrive. J'ai dû aller réclamer pour savoir où est-ce que ça en était. Mais bon voilà, donc à savoir que voilà, le lac de Côme c'est sympa mais c'est très très touristique. Là après on est dans le sud du lac de Côme, donc on va voir la suite quand on va remonter un petit peu vers le nord. Peut-être que ça sera moins, enfin on sait pas. Mais en tout cas voilà, pour info, c'est très touristique. Bah du coup, il faut savoir que les parkings sont payants mais du coup ils prennent que des pièces. En Italie c'est quand même courant. Ouais. Et du coup on n'a pas de pièces, on est en galère, donc on va essayer de trouver un autre parking. Donc c'est chiant. C'est super beau. Thank you.
a pas à dire, c'est beaucoup plus beau du côté là, ouais, vers l'écho que vers commun. Là, étonnamment, il y a moins de villages en hauteur, tu vois. Du coup, on a trouvé une autre rando, mais en fait, tous les parkings sont payants au lac de Côme et c'est tout cette même réglementation. Alors, on suppose qu'il faut télécharger quelque chose. Alors, c'est pas très pratique. Il faut savoir que c'est un peu la merde pour se garer au lac de Côme. C'est que des trucs comme ça payants. Donc, avec la plaque d'immatriculation et l'application, on peut faire Easy Park. Voilà. Cher monsieur, on a monté pendant combien de temps? On a fait 2 heures, à peu près 800 mètres de dénivelé. 2 heures de montée comme ça. Alors franchement, ouais, c'était des beaux chemins. Bon. C'est super beau, mais waouh! Ça a bien tapé, ouais. On va pas se mentir. C'est vraiment une montagne, en fait, on monte en haut d'un col, on redescend de l'autre côté. Donc après, c'est que la descente. Bah, une fois que c'est fait, maintenant on est content, ça va. Dedans, mais sur, ouais, le coup, franchement, c'était dur. On est parti de là. Tac, et là on fait ça. C'est que la descente. C'est plutôt cool. Ah, c'est plutôt cool. C'est la récompense après 2 heures d'effort. Franchement, très dur. Love if it was ever love at all, bonded to set separate souls, standing only so as not to fall, landlocked by conflicting goals. Thank you, honey, believe in me. On a mangé des énormes œufs de Pâques. Gamin, va. Des œufs de Pâques à la pistache au caramel. Oh yeah. Oh yeah. Ouais, nous sommes au bout du lac de Côme. Nous sommes tout au nord. La fatigue se fait sentir au bout de combien de jours là, Novan? On est à lundi, donc ça fait une semaine plus 2 jours, quoi. Ouais. Une semaine plus 2, et là on commence à sentir la fatigue qui arrive. Là, ça se voit sur les yeux, quoi. Sur le visage. Le visage est marqué. Le visage est marqué. On a gagné 10 ans de plus. J'ai ma tronche de réveil, mais tout le temps. Mais là, c'est une petite journée pause. Alors, c'est une petite journée pause. Non, mais en fait, c'est surtout que ça commence à fatiguer parce que on dort pas super bien non plus, parce qu'on est tout le temps un petit peu réveillé dans le van. Ça reste du camping amélioré, quoi. Et du coup, là, on commence à être un peu crevé. Demain, on a pris un bel hôtel au lac de Côme, ouais, à Crémia. L'hôtel s'appelle La Casa Olea. C'est un truc un peu design et tout, franchement, il est super beau. Avec, on a pris une chambre avec vue sur le lac. Donc ça va être très très sympa. Mais c'est vrai que là, on est crevé, quoi. Dead. Lucie, on a fait la grosse randonnée. Oh, la randonnée, elle nous a achevé. J'ai mal au mollet. Les courbatures au mollet, j'ai plus de lait, les laits sont toutes gercées et tout. Oh là là. Bah là, on est pas beau à voir. Mais du coup, on fait le nord du lac. Ça se dit le nord du lac? Oui, le nord du lac, ouais. On fait le nord du lac. Et on s'arrête dans des petits villages. Et franchement, c'est très charmant. On préfère largement. On préfère largement le nord. Et il faut vraiment pas se contenter à la ville de Côme. Ouais, vraiment. C'est magnifique ailleurs. Et c'est vachement plus beau ailleurs qu'à Côme. Où c'est vraiment que touristique et c'est, tu vois que c'est que des Richard Cœur de Lion. Puis les collines sont peuplées, donc du coup elles sont poncées, donc ça fait plus des grosses collines, alors que là direct on est sur les montagnes, donc c'est assez incroyable. Donc voilà, toi t'es beau. C'est l'hôtel, très 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 stylé. Très 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 stylé. Le room tour de la petite chambre d'hôtel
L'hôtel s'appelle Casa Olea. Et franchement, et on est bien servi déjà. Avec vue sur le lac. Trop bien. Là, mais trop gentil en plus à rentrer. Et du coup, c'est ce que j'ai compris, c'est un ancien couvent. Non, enfin, c'est pas le couvent, c'est le presbytère, c'est là où habitait le pad, allez. Voilà. Trop cool. Et franchement, l'hôtel est super beau, c'est très très design, très très sympa. Et c'est moi qui vous tuais d'abord. Non, mais 10 jours dans le van, sans avoir de. À faire caca dehors, ça... ça va faire du bien. Mais voilà, non, c'est vraiment très très cool. J'adore. Trop bien. Ça y est, nous sommes partis de Côme, du lac de Côme. C'était la dernière étape italienne. Alors à la base, on voulait partir remonter en Alsace vers la Suisse et s'arrêter à Lucerne, etc. Sauf que forcément, la Suisse dit vignette et la vignette est attribuée que pour une voiture. Flemme de payer 42 € juste pour le van qu'on va quitter samedi, quoi. On est mercredi là. Donc finalement, on change de plan à dernière minute, on va passer par la France et on s'arrête à Annecy. Parce que c'est là où il fait le moins froid. La nuit fera 0 à Annecy, donc c'est mieux que moins 12. Mais bon, là c'est quand même une grosse journée de route parce que du coup, là on a quitté l'hôtel à 11h et d'ailleurs ça a fait extrêmement du bien. On a pu accessoirement aussi se laver les cheveux. Donc voilà, grosse journée de route. Il y a combien d'heures? 9h. 9h environ, et ça fait déjà 2h. Et sinon, bilan de Côme, bilan du lac de Côme, et ben franchement, ça a mal commencé avec la ville de Côme qui, comme on l'a déjà dit, est très touristique et pas très accueillante. Mais par contre, tu sors de la ville de Côme et tu vas plus vers le nord, vers l'est, en tout cas nous vers l'est et ensuite vers le nord. Et là, t'as des gens hyper accueillants. Hier, on allait au restaurant à côté de l'hôtel. C'était un peu familial, c'était trop sympa en fait. Ils étaient, ouais, c'est ça, ils étaient trop sympas, donc trop cool. Et là, au moins, les prix étaient pas délirants. Et accessoirement, on a quand même le but des martinis à 3 €, et ça, c'est quand même. Des martinis comme ça. Mais des martinis, c'était des verres à eau de martini, donc c'était quand même assez incroyable. Il faut bouger de la ville de Côme qui est beaucoup trop surcotée, quoi. Donc voilà, pour le petit débrief fait maintenant, trip pendant des heures et des heures. Our love, if it was ever love at all, bonded to set separate souls, standing only so as not to fall, landlocked by conflicting goals. Thank you, honey, believe in me. Après 4 heures de route depuis Annecy, retour en Bourgogne. Dernière étape du coup du voyage. Ah non, non. Du coup le voyage est presque à sa fin. Du coup, bilan de 2 semaines en van, en couple. En soi, franchement, le van c'est très cool parce que tu peux t'arrêter n'importe où, tu fais comme tu veux, t'es vraiment libre et t'es indépendant. Ça c'est vraiment très cool. En couple, t'as l'air complètement déprimé. Non, je suis crevé, on vient de faire 4 heures de bagnole d'un coup, donc forcément je suis un peu claqué. Alors moi je dirais que les points positifs, c'est que du coup tu découvres ensemble des trucs, des points de vue assez cool. Enfin, c'est vraiment le côté voyage qui est vraiment très très sympa, très libre, etc. Je trouve ça cool de partager ça avec toi. Avec l'autre. Et les points négatifs, il y a beaucoup de promiscuité, donc du coup t'as pas trop d'intimité. Logique. En soi, c'est pas trop dérangeant, mais ça peut être un point négatif vers la fin du voyage, quand tu fais justement 2 semaines où c'est assez long quand même. Tu vois, c'est fatigant. En plus, tu fais du camping de luxe, quoi. En fait, le van, c'est du camping de luxe. C'est un peu ça, ouais. Et donc, c'est quand même fatigant. Donc la promiscuité à la fin peut être un peu fatigante et énervante aussi. Vu que t'es crevé parce que tu fais quand même la route, etc. Enfin, en tout cas, nous, c'était notre rythme pour ces vacances. C'est que tu fais un petit apéro ou quoi, mais tu dors assez rapidement, donc du coup t'as pas de libido. Ouais, en vrai non, ça c'est sûr. Mais en fait c'est juste bon, voilà. Et toi maintenant, les points négatifs et positifs, c'est les mêmes que les tiens. En fait, c'est juste que c'est le van, quoi. C'est juste effectivement, on a beaucoup de liberté, c'est hyper sympa, on voit des trucs hyper cool, on partage en direct.
Le côté négatif, c'est bah, justement le van, c'est hyper en promiscuité. C'est comme n'importe quel trajet en longue distance avec quelqu'un, enfin tout le monde l'a déjà fait, où tu pètes un câble contre le copilote par exemple parce qu'il t'a pas dit la bonne sortie. Le copilote, c'était moi quoi. Voilà. Ou que simplement, par exemple, des fois il fait des réflexions que toi t'es en train de conduire et que t'en as marre en fait, enfin normal, comme n'importe qui. Mais donc en fait, c'est ça, c'est juste que tous ces petits aspects-là du camping ou du fait de vivre sur la route sont décuplés parce que ça dure deux semaines et que c'est hyper. En plus, on est dans un tout petit espace. Et voilà quoi. Mais après, sinon, c'est hyper cool, c'est juste ce côté-là. Voilà. Donc. Bilan, je dirais juste, c'est positif. C'est on cool. le refera, on refera en van, c'est peut-être sûr. Peut-être des formats plus courts. Mais par contre, ouais, on restera peut-être pas deux semaines. Parce que même d'un van. Point de vue juste confort, là l'hôtel qu'on a fait il y a bah, avant-hier. Ouais, c'était une bouffée d'air. En fait, c'était d'air. Une bouffée d'air énorme et à tel point qu'on avait, enfin moi perso, j'avais pas trop envie de conduire, j'avais même plus trop envie de rouler parce qu'en fait ça casse un peu ce rythme où en fait où très vite vous allez vous mettre dans le rythme du van. Et il y a des fois il est fatigant et là le fait de prendre une pause ça a vraiment fait un bien fou. Donc ça prouve bien que c'était vraiment usant en fait, on était vraiment fatigué franchement. Ouais c'est clair. On était vraiment vraiment fatigué. Donc à refaire en tout cas c'est sûr qu'on refera mais ouais. 10 jours max. 15 jours je trouve que c'est un chouïa long. 15 jours c'est un tout petit peu long ouais. C'est un tout petit peu long. Mais en tout cas... Du coup respect pour les gens qui vivent dans des vannes parce que c'est des malades mentaux. Hein. C'est clair. C'est littéralement des malades mentaux, ils ont un vrai problème. Oui, ça tourne. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Hier, on a explosé de rire parce qu'on a regardé un petit peu ce qu'il a dit. Et vas-y, redis. Non, mais attends, mais là, je peux pas le redire. Gigondas, c'est la version alcoolisée de Legolas. Les amateurs de vin, ils sauront que Gigondas, c'est des enroues. T'es pas obligé d'expliquer la blague.